Salut les poupées, c'est Didi XOXO. On est samedi matin, je viens de me lever. J'ai bien dormi et comme tous les samedis matins, je fais ma routine capillaire. Donc, je vais faire un traitement en profondeur pour mes cheveux parce qu'ils en ont besoin. Donc, pour celles qui ne le savent pas, j'ai des extensions de cheveux. Non, tout ça, ce n'est pas à moi. Donc, j'ai une stratégie pour faire le traitement pour mes extensions pour qu'elles durent le plus longtemps possible et pour faire un traitement pour mes vrais cheveux pour que, en fait, ils ne tombent pas quand je vais retirer mes extensions. Donc, pour cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un bonnet en couverture plastique, d'un conditioner. Peu importe lequel, cheap, ça va être pour les extensions. Ensuite, j'utilise Moroccan Oil sur mes vrais cheveux. Et je sais que vous savez de quoi je parle, ok? J'ai pas besoin de vous montrer où sont mes vrais cheveux ou quoi. Ça, c'est pour mes vrais cheveux et j'adore ça. Ça fait plus de 3 ans que j'utilise Moroccan Oil pour mes cheveux qui sont naturels. By the way, je les lisse. Mais ça fait vraiment en sorte que ça les protège, ça les renforce et honnêtement, j'ai jusqu'ici eu aucun problème au niveau de heat damage, de l'endommagement de mes cheveux avec les plaques. Donc, je suggère vivement ce conditioner. Et j'utilise également le Oil Sheen de Cantu Shea Butter ou Cantu. J'utilise ça sur mon cuir chevelu. Il y a marqué que c'est fait pour la brillance, mais en réalité, j'ai contacté la marque. C'est vraiment fait à base d'huile. Donc, c'est super parce que c'est vraiment facile à appliquer sur le cuir chevelu. Donc, je fais aussi un traitement donc, sur mon cuir chevelu. Ouh, le haut du temps. Il manquerait plus que ça. Donc, c'est Cantu, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. J'utilisais beaucoup plus cette marque auparavant. Pour l'instant, dans cette routine que j'ai, j'utilise seulement le Oil Sheen pour mon cuir chevelu. Et ça fait toute la différence parce qu'avant, mon tissage me grattait d'une manière tellement intense. C'était ridicule. Peu importe, pendant la semaine, je vais quand même appliquer un peu de Oil Sheen sur mon cuir chevelu juste pour m'assurer qu'il est bien huilé, qu'il n'est pas sec. Je sectionne mes cheveux en deux. Je les peigne en utilisant My Denman Brush. Désolée, il y a plein de cheveux, mais j'adore cette brosse. Elle est super aussi sur les cheveux naturels. Donc, je l'utilise aussi sur mes cheveux lisses. C'est une routine assez rapide le samedi matin, j'ai vraiment pas envie de passer trop de temps là-dessus, donc j'utilise mon conditioner de L'Oréal. Celui-ci, c'est le L'Oréal Hair Expertise Arginine Resist, riche en protéines. Donc ça, je vais l'appliquer sur les extensions en commençant par les pointes. Et j'aime beaucoup ce conditionneur parce qu'il sent super bon et il a aussi une texture qui fait en sorte que les cheveux sont super soyeux après. Et je me concentre vraiment sur les pointes parce que c'est vraiment les pointes que je lisse vraiment presque quotidiennement. Un élastique et je vais faire un genre de twist.
Et voilà. Ensuite, je vais m'occuper des cheveux que j'ai laissés pour recouvrir mon tissage. Et pour ça, j'utilise le Moroccan Oil Conditioner. C'est celui Moisture Repair Conditioner. Donc, c'est le format réparateur. J'en mets pas trop non plus. Parce que je veux pas avoir trop d'accumulation de produits ensuite sur mon cuir chevelu. Et c'est super important de prendre soin de son leave-out, donc les cheveux qu'on laisse pour recouvrir nos extensions, parce que sinon c'est catastrophique, on finit avec des cheveux super longs en arrière, puis un leave-out qui arrive jusqu'ici. Donc c'est pas une critique, ça m'est arrivé, donc maintenant je sais qu'il faut absolument que j'en prenne soin également. Donc comme je l'ai mentionné, j'ai appliqué Kentu sur mon cuir chevelu et sur mes tracks, donc mes tresses. Donc elles sont en train de... le produit est en train de... d'être assis sur mon cuir chevelu et mes tresses, donc j'ai un traitement à l'intérieur. Et pour les extensions, j'applique seulement le produit sur les pointes. J'utilise vraiment un produit cheap parce que j'ai pas l'intention de laisser de l'argent sur les extensions. Et pour mon leave out, j'utilise à ce moment-là Moroccan Oil. Donc non, je ne sors pas mon leave out. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de voir tout ce qui se passe à l'intérieur de tout ça. Je sais que vous savez. En tout cas, si tu regardes la vidéo, je sais que tu sais. Si tu sais pas, disons que tu as juste besoin d'appliquer du conditionneur sur tes cheveux, ok? Mais voilà quoi. Je ne vais pas m'exposer au maximum non plus. Donc, c'est à peu près tout. Je prends ensuite mon petit bonnet. J'aime beaucoup celui-ci, c'est de Sonia Kashuk. À l'extérieur est en plastique, super pour les soins. Et l'intérieur est comme dans cette matière, ce qui est vraiment cool parce que quand je prends une douche, ça fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'humidité qui ferait refriser mes cheveux. Et quand je veux faire un soin, bah voilà, je le retourne et c'est ça. Donc j'applique ça comme ça. Voilà. Et je vais laisser les produits donc agir pendant une ou deux heures, peu importe. Je vais entre temps me relaxer, me faire un petit café pour me réveiller. Et c'est à peu près tout pour ma routine capillaire spéciale traitement. Ensuite, évidemment, je vais aller sous la douche, rincer le tout, shampooiner le tout et mettre un leave-in conditioner qui peut être de votre choix. Ça n'a pas trop d'importance du moment que vous appliquez quelque chose pour protéger vos cheveux avant de lisser et avant de faire un brushing. Donc j'espère que ça vous a aidé. J'ai essayé de rendre ça aussi clair que possible. Comme vous pouvez le voir, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc il n'y a aucune raison que votre cuir chevelu vous gratte. Aucune raison de ne pas avoir des cheveux en fleek. Donc je fais ça une fois par semaine. Ça prend 20 minutes pour mettre le traitement, 20 minutes pour le rincer, 20 minutes pour sécher. Come on. En une semaine, on peut faire ça. Donc laissez vos commentaires, n'oubliez pas de liker et de me laisser savoir quelle autre vidéo vous aimeriez voir dans le futur. N'oubliez pas qu'il y a une nouvelle série qui s'appelle hashtag Ask Wendy où je réponds à vos questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email, j'ai reçu pas mal d'emails dernièrement. Donc je vais faire une vidéo où je réponds à vos questions. Donc merci encore de regarder mes vidéos et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous, XOXO.